Le football a gagné, cette phrase forte, on va revenir dessus. Question toute simple, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, enfin, sur un certain modèle du football, j'ai l'impression que c'est une victoire un peu d'un joueur des années 90, de l'époque que moi j'ai regardé, que j'ai adoré. Il correspond complètement à ce profil de joueur qui, à l'époque, quand on regardait vraiment les matchs de bout en bout, on voyait justement l'influence qu'il pouvait avoir dans une équipe. Je trouve qu'il y a eu un... Après, je vais partir, c'est un peu plus philosophique ce que je veux dire, mais avec les Cristiano Ronaldo, les Messi, on a été beaucoup dans une ère qui a fait, je pense, de mon point de vue, beaucoup de mal aussi à la jeunesse, parce que Cristiano Ronaldo est un robot. C'est très difficile d'avoir le même rythme de vie que lui et d'avoir les mêmes stats. Messi avait un don de Dieu et ces deux génies du foot ont un peu déréglé la façon de voir le football auprès de la jeunesse. Et je trouve que là, on revient sur un prix qui met en avant un joueur à l'état d'esprit irréprochable. Quand je dis irréprochable, c'est vraiment à l'intérieur de son équipe, pas forcément avec les autres et tout ça et les adversaires. Une culture et un QI foot qui est 1000 fois au-dessus de la moyenne et un funambule dans une équipe parce qu'il règle tous les problèmes. Et quand Manchester City ne l'a pas ou l'Espagne ne l'a pas, bah c'est pas la même équipe. Et pour le coup, tu vas pas voir des highlights de Rodri, de partout, et tu peux en voir aussi où il a eu des moments compliqués, mais c'est très facile de résumer un joueur par rapport à ça. Si tu veux voir vraiment pourquoi Rodri mérite le Ballon d'Or, bah tu te fais une séquence, tu regardes quelques matchs où tu le vois quasiment complet, tu fais un focus sur lui. Et là, tu comprends beaucoup de choses. Pierre, tu évoquais notamment avec et sans Rodri, donc on a comparé en chiffres ce que ça donnait avec Manchester City cette saison. 50 matchs avec Rodri, seulement 9 sans le milieu de terrain espagnol. C'est une défaite avec Rodri, sa seule défaite, c'était le dernier match de la saison en finale de la Coupe face à United. Et puis regardez le pourcentage de défaites. Franchement, c'est extraordinaire à quel point Rodri, Thomas, il a une influence sur l'équipe dans laquelle il joue. Oui, c'est sûr que même une garantie de victoire, même avec la sélection espagnole, voilà, c'est le métronome de tout ça. Moi, pour répondre à la question que me pose Virginie, elle me dérange beaucoup, moi, cette phrase, parce que ça installe une sorte de Zumba que j'aime pas beaucoup depuis hier sur ce football collectif, etc., qui doit absolument être récompensé, que c'est un nouveau football qui a gagné, etc. Moi, ça me dérange un peu parce que je vais pas contester le mérite de Rodri d'avoir gagné ce Ballon d'Or. On en a beaucoup parlé ici, il y a aucun problème, et il le mérite peut-être tout autant que Vinicius et Bellingham, mais j'ai pas envie qu'on fasse passer non plus les autres, notamment Vinicius, pour un joueur qui manque de collectif, alors que pas du tout. Il est toujours aussi tourné vers l'équipe, sauf que c'est pas le même poste. Et que c'est pas forcément ce qui a été dit, hein. Bien sûr, mais sous-entendu. Mais justement, c'est ce qui est en train de se passer aussi dans la manière dont on va interpréter sa déclaration et d'interpréter ce Ballon d'Or. Et quand il parle de Xavi, Iniesta, de Busquet, de ces grands joueurs espagnols à ce même poste qui n'ont pas eu de Ballon d'Or, eh ben Rodri aujourd'hui c'est pas un Ballon d'Or de compensation non plus. C'est qu'aujourd'hui il sort d'une saison où il le mérite. Alors pour moi il le méritait encore plus l'année dernière. Ça aussi j'ai pas envie que ça soit le Ballon d'Or de la compensation et que voilà on reparte sur l'année prochaine sur du Yamal, etc. Là par contre où ça m'interpelle et je peux être un peu d'accord avec cette sortie, c'est qu'aujourd'hui peut-être que le football après, comme tu l'as dit Pierre, l'hégémonie de Messi et de Cristiano Ronaldo, c'est que le football aujourd'hui est peut-être en train de se chercher des stars. Et que. Rodri, il te fait rêver, c'est une star. Mais non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Toi, t'es pas d'accord. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on va chercher des stars et que peut-être que Vinicius ne fait pas l'unanimité, peut-être que Bellingham ne fait pas l'unanimité, etc. Et qu'aujourd'hui, dans les personnes, qu'il faut pas oublier que c'est un vote de 100 personnes, qui fait appel à beaucoup de choses, dont la subjectivité. Et peut-être que ce Rodri-là, dans tout ce qu'on va avoir comme perception du footballeur cette saison, lui cochait peut-être plus de cases que les autres. Juste pour, pas enchérir, mais un petit peu dire ce que les votes, il faut comprendre que de toute façon, c'est comme un camembert, il y a 100%. On a 3 joueurs du Real dans le top 5. C'est énorme. Hein, ça veut dire qu'en fait, ceux qui considèrent que le Real a fait une bonne saison, ils peuvent prendre 3 joueurs à l'intérieur de ce club pour pouvoir se dire qu'il mérite le Ballon d'Or. Ça a peut-être coûté le Ballon d'Or à Vinicius. Et les trois sont Vinicius, légitimes. Bellingham et Carvajal. Les trois sont légitimes. Quand on pense à la saison de Manchester City, on pense pas dans un premier temps Rodri, sauf que lié à l'Espagne et l'Euro qu'il fait, la connexion, elle se fait. Elle est là, la problématique de pour moi, l'explication est complètement valable sur le fait que Vinicius ne l'est pas. Moi, ce qui me dérange alors, c'est par rapport aux années précédentes, si on va dans cette manière de voir le foot et de remettre ce prix à ce joueur, auquel j'enlève absolument aucune qualité, etc. Mais donc, tu as Iniesta et Wesley Schneider 2010, tu as Ribéry 2013, tu as Varane et Griezmann 2018. Bien sûr. Pour le même cas, hein. Tu as, comment il s'appelle, tu as Haaland l'année dernière.
En fait, il va falloir m'expliquer, enfin moi je m'en fous, mais aux jeunes, que Rodri a eu le ballon d'or, que Xavi, Iniesta, Busquets, Kroos ne l'ont jamais eu. Mais parce que... Au milieu de terrain, c'est-à-dire que... Mais parce que... Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, encore une fois, il est très fort, etc. Mais c'est générationnel aussi. Non, mais c'est surtout que, c'est-à-dire que le mec Hugo, t'as pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais le mec n'est pas dans les 8 finalistes du meilleur joueur de Première Ligue. Si, il est. Non, c'est faux, il n'est pas. Non, non. Dans les 8 finalistes, non. Les deux joueurs de City, c'est Foden et Haaland. Il n'y est pas. C'est parce qu'il y a deux trophées différents. Il y a le trophée du PFA, qui est l'équivalent de l'UNFP, et qui est un trophée plus considéré que le simple Première Ligue qui est décerné par les journalistes. C'est Foden et Haaland. Non, Rodri, il y est. Non, mais ça, c'est une mauvaise info qui circule, malheureusement, depuis hier. Et en plus, il n'est pas dans l'équipe type de la Ligue des Champions. Tu me dis que c'est le meilleur joueur de l'Espagne. Il sort à la mi-temps de la finale de l'Euro. Il est blessé. Mais Yamal et Fabian Ruiz, sur les matchs qu'ils font à l'Euro, il y a débat quand même. Non, mais je trouve, c'est qu'aujourd'hui, Vinicius, alors qu'on me dise sur les trois critères principaux que c'est parce qu'il est ingérable, imblairable, qu'il a une attitude horrible, donc que ça lui enlève un tiers des il l'a payé. Je te le dis, pas de problème. Pour les journalistes, je pense qu'il l'a payé. Vinicius, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être ballon d'or aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il a tout gagné. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il manque le Brésil. Qui gagne la Copa avec le Brésil. Si tu gagnes la Copa avec le Brésil et que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions l'année prochaine, il faut lui donner. Tu prends l'argument de joueur de la Ligue des Champions, etc. Qui est élu meilleur joueur de Liga? Jude Bellingham. Qui est élu par les supporters du Real Madrid meilleur joueur de Liga et du Real Madrid? Jude Bellingham. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Moi, si tu me donnes mon avis... Aujourd'hui, Vinicius, il fait l'unanimité nulle part. Aujourd'hui, pour moi, Vinicius, il souffre de ça également. Et que peut-être que des fois, son comportement, il va le payer pour certains journalistes. Mais moi aussi, où là, il y a un problème aussi dans ce Ballon d'Or, et où il y a une institution à laquelle j'en veux, on va en parler tout à l'heure, c'est le Real Madrid. Dans sa faculté à... Oui, ça, on y reviendra. On explique toujours que le Real Madrid est une machine à fabriquer des Ballons d'Or. Moi, le lobbying pro-Vinicius, je ne l'ai pas vu cette année. Non, mais... Si. Et c'est Bellingham qui... Justement, et ça, je pense que aussi indirectement, ça peut jouer dans la manière de d'établir ton vote. J'ai l'impression que vous êtes en train d'expliquer qu'en fait, donner des raisons pourquoi Vinicius ne l'a pas. Vinicius, s'il le mérite, c'est un super ballon d'or. Et ça aurait été normal aussi. Que ce soit Bellingham, Vinicius ou Rodri... C'est des super ballons d'or. Le problème, c'est que tu as un classement à faire, il y a une façon de voter, qu'elle soit légitime ou normale ou appréciée ou que ça dégoûte les gens, peut-être. N'empêche que le système de vote est comme ça. Bien sûr. Maintenant, peut-être que ça a desservi Vinicius, mais j'ai pas envie de... Moi, quand je dis que Rodrigo le mérite totalement... Les trois le méritent. Même Carvajal, il le mérite. En fait, tous ceux qui sont dans le top 4 ou le top 5, ils le méritent. Non, mais Pierre, alors avec ce style de... Comment dire? Avec cette manière d'aborder le nouveau ballon d'or, là, avec cette manière de juger, de noter, pourquoi Carvajal ne l'a pas? Mais la manière, c'est la même. Parce que lui, il a tout gagné. Oui, il y a un moment, tu ne peux pas me dire... Dans ce cas-là, tu pars que sur les stats. Et alors, le phénomène impressionnant, écoute, tu te lèves de ta chaise quand tu vois Carvajal faire un tacle? Quand est-ce que tu t'es levé de Rodri, quand il marque un but qui est inespéré du pied gauche en Ligue des Champions et que ça débloque le match, oui, là, moi, je me suis levé de ma chaise. Mais il a été important dans des moments clés. Toutes les défenses sont écoutables. Tout est légitime dans le Ballon d'Or. C'est ce qui a fait la beauté de ce Ballon d'Or cette saison. C'est que pour moi, et je me suis beaucoup défendu dans mes émissions sur ce débat-là, c'est que pour moi, c'était peut-être l'un des plus serrés depuis très, très longtemps. Et que malheureusement pour Vinicius aujourd'hui, comme il se dégage pas, même en termes de statistiques, il n'a pas Bellingham écrasé aussi, sa saison comme Kane et Mbappé ont marqué 52 buts. Il n'a pas écrasé de manière statistique. Il a été ultra performant en Ligue des Champions sur la phase finale. Le début de la saison du Real Madrid, c'est Bellingham qui vient. Et donc pour répondre à la question sur est-ce que c'est le football qui a gagné, c'est qu'en fait il va pâtir d'une saison où il n'a pas marqué de son empreinte une année entière, tandis que Rodri, sur la saison entière, a peut-être un peu plus impacté son équipe à ce niveau-là. Et malheureusement, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que, et là, je vais rejoindre un peu Hugo, ce basculement qu'il a pu avoir dans la manière d'attribuer un ballon d'or, c'est qu'on était toujours à la recherche de la star, de celui dont tout le monde parle, les gamins, ils vont être fans dans les cours de récréation, etc. C'est ça qui me perturbe un peu dans ce vote, c'est ce basculement au dernier moment, parce que pour moi, Bellingham, moi, je l'aurais donné à Jude Bellingham, par exemple, qui représentait un peu tous les critères qu'on a aujourd'hui, mais sans que ça soit par défaut, mais voilà, sur tous les critères, je trouve que là, ce revirement de,
de ce que représente un ballon d'or peut me déranger un petit peu. Mais moi, c'est par rapport au mec avant dont j'ai du mal à comprendre le projet. On parlait justement de cette saison de Rodri qui est fabuleuse, véritablement. On a quand même regardé la saison dernière, parce que la saison dernière, on l'avait tous trouvé vraiment fabuleux. Il n'y avait pas eu en plus cette blessure. Rodri remporte la FA Cup. Oui. La FA Cup, la Première Ligue, la Ligue des Nations, la Ligue des Champions. Il est buteur en finale de Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue des Champions, meilleur joueur du Final Four de cette Ligue des Nations. Il n'y avait pas de débat. Il y avait l'impression qu'il n'y avait pas de débat l'année dernière pour lui donner ce ballon d'or. Si. Est-ce qu'il y a une sorte de compensation peut-être qui a été faite cette année, Pierre? Moi, la compensation, c'est, je pense. Après, je crois je crois à la neutralité de ceux qui votent. Mmh. Chacun vote avec son ressenti et son truc. Et encore une fois, Rodri, c'est un joueur, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain dans son rôle du monde. Et surtout unique dans son profil. C'est un mec qui n'a pas de réseaux sociaux. Je comprends ce que tu dis, Hugo, sur le fait que les gamins ne s'identifient pas, mais pas de réseaux sociaux, pas de tatouages, pas des coupes de cheveux, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un retour clair sur le football d'avant. Enfin, moi, il me fait penser à un joueur vraiment des années 90. Quoi. Oui, mais je suis convaincu que l'année prochaine, ça sera pas ça. Mais peut-être. C'est ça qui peut me déranger. Non, mais peut-être qu'il y a l'heure, mais c'est pas grave. Cet argumentaire me va à 100%, sauf quand il y a Lionel Messi. C'est-à-dire il gagne une Coupe du Monde tout seul. Bah d'accord, mais sauf que Lionel Messi, tu changes Lionel Messi et Erling Haaland, d'accord? Tu les changes, tu donnes la Coupe du Monde à Erling Haaland, il n'est jamais Ballon d'Or. Parce que l'autre, il en gagne 3, S'il avait gagné Ligue des Champions, qu'Erling Haaland va avec la Norvège, machin, et qui, bah si, évidemment que c'est lui le Ballon d'Or. Non, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Bah, et c'est le problème, il est que moi, j'accepte tout à fait cette manière de voter aujourd'hui, et je la trouve géniale. Messi l'a gagné sur 2 mois. Ben voilà. Et ça, c'est une certitude, mais n'empêche, mais c'est une Coupe du Monde. Enfin, si tu gagnes le tournoi de Sixt où tu as un colis à gagner ou des porte-clés. Oui, mais ça vaut pour Messi, mais ça vaut pas pour Griezmann. Bien sûr que si. Mais c'est faux, ça vaut pas pour Griezmann, ça vaut pas pour Varane. Il a le même problème que Vinicius cette année. Parce que les votes ont été. Il y a eu du Varane et tout ça. Varane et Griezmann dans le top 5 des votes. Rodri Ballon d'Or, est-ce que c'est la pire des récompenses? Là, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Ballon d'Or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne C'est Fond de Patch. Alors, Rodri a été sacré Ballon d'Or et beaucoup estiment que c'est le pire Ballon d'Or de l'histoire. Pour moi, je ne suis pas d'accord puisque lorsque tu regardes les 3 candidats, pour moi, chacun pouvait être Ballon d'Or. Si on veut faire le parallèle, par exemple, en 2013. En 2013, pour moi, c'est Ribéry qui devait remporter le Ballon d'Or. Ribéry avait été monstrueux. Ribéry avait été monstrueux sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Je m'en souviens, cette saison-là, Ribéry avait été de grande qualité, un joueur vraiment qui a cassé tout. Un jeu qui a cassé tout et de surcroît, il avait fait le triplé avec le Bayern Munich. Championnat, LDC et Coupe. Et malgré ça, on a quand même trouvé un prétexte de remettre le Ballon d'Or à CR7, à Cristiano Ronaldo. Pour moi, oui, là, c'est l'un des Ballons d'Or les plus vraiment médiocres en 2013. Puisque j'estime que Ribéry devait remporter ce Ballon d'Or là. On pourrait se le parler en 2010 avec Schneider en 2010. En 2010, Messi ne devait jamais remporter le Ballon d'Or. Soit Iniesta devait le prendre, soit Schneider, soit Samuel Eto'o. Il y avait des prétendants, mais pas Messi. Messi avait prouvé quoi? Il avait gagné quoi? Il n'avait presque rien gagné. Mais comment se fait-il qu'en 2010, on donne le Ballon d'Or à Léo Messi? Pourtant, tu avais des garçons comme les Schneider, tu avais des garçons comme les Xavi et Iniesta, tu avais les Samuel Eto'o qui avaient fait une saison aussi de grande qualité, les Diego Milito. Samuel Eto'o vient de faire un deuxième triplé consécutif. Hein. Il a fait un triplé d'abord avec le Barça en 2009. Il avait encore fait le triplé avec l'Inter en 2009. Tu avais Diego Milito. Tu avais des garçons comme les Xavi et Iniesta qui ont remporté la Coupe du Monde. Tu avais Schneider qui a presque tout gagné. On n'a pas donné à Schneider. On a préféré donner à Messi. Là encore, pour moi, je trouve que c'est un Ballon d'Or vraiment médiocre. Je n'ai pas entendu les gens dire voilà, c'est le vol et tout, parce que c'est Messi, parce que c'est CR7. Mais comme on a donné à Rodri, comme c'est Rodri qui a remporté le Ballon d'Or, beaucoup de personnes s'offusquent. Pourtant, à mon avis, pour moi, Rodri aussi mérite le Ballon d'Or, au même titre que Jude Bellingham, au même titre que Vinicius. Si on avait remis le Ballon d'Or à Jude Bellingham, je n'aurais pas été dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. Même chose pour Vinicius.
Parce que j'estime que ces trois-là, pour moi, ils méritent le ballon d'or. Rodri a fait une saison aussi de grande qualité, non seulement avec son club, mais aussi avec sa sélection. Il a fait une très grande saison, Rodri. Donc, pour moi, Rodri mérite le ballon d'or. Pour moi, ce n'est pas un ballon d'or médio. Si on veut faire le parallèle avec 2013 ou encore 2010, pour moi, ce n'est pas un ballon d'or médio. Rodri mérite son ballon d'or. Après, partagez votre ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.